Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Ça, je m'adresse d'abord aux Ivoiriens. Les Congolais sont déjà les favoris. Nous, on ne vaut rien. Nous, la Côte d'Ivoire, ça, il faut le dire. J'ai vu les Congolais jouer. Ils sont forts. Ça vous met blague à part. Ils ont fait sortir l'Égypte. Ils sont forts. J'ai vu les Congolais jouer. Les Congolais sont très forts. Très forts. Ils jouent avec les muscles. Ils jouent avec les nerfs. Ils sont concentrés. Et vous avez entendu, ils disent qu'ils jouent pour toutes les victimes du génocide au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées. Que l'un des endroits où il y a le plus de morts aujourd'hui en Afrique, c'est au Congo. Mais comme les influenceurs congolais sont les plus nuls, les plus nuls de l'Afrique, le monde entier n'est pas informé de ce qui se passe au Congo. Parce que les Congolais ne parlent qu'aux Congolais. Et quand Makosso dit ça, oh Makosso, tu nous as insulté, Makosso, tu nous... Oh, ils savent que c'est la vérité. Nous, on ne parle pas le Lingala, maman, non pas le Djula. Voilà, Ami Sorom, on s'en rend au café, n'est-ce pas? Il va me sortir au café, moi. Il va me sortir, il va me faire un affaire. Est-ce que toi, le Congolais, tu comprends ça? C'est la langue majoritaire de moi, mon pays. Quand tu vas au niveau du Congo, plutôt, du Gabon, il y a les femmes, ils parlent les langues majoritaires. Quand tu vas au Sénégal, c'est le Wolof, ils parlent les langues majoritaires. Si le Sénégalais, aujourd'hui, là, Macky Sall a fait quoi? Macky Sall vient de Mougoutou, les Sénégalais. Il vient d'annuler les élections présidentielles. Il dit qu'il faut une concertation. Si lui, à son temps, faisait une concertation avant d'organiser une élection présidentielle, lui, il allait être président. Il se positionne comme celui qui a inventé la démocratie au niveau du Sénégal. C'est quoi ce comportement de la voyousie spirituelle? Mais personne n'est informé de ce qui se passe au Sénégal parce que les influenceurs sénégalais ne font qu'expliquer la situation de leur pays en Wolof. Donc on ne fait rien ça. Voilà. Vous êtes informé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'on l'explique en français. Soit en anglais. Il y a des langues internationales. Voilà, il faut le dire. Ça peut énerver, ça peut fâcher, mais c'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, voilà. Mais on va revenir sur le sujet du ballon, parce que c'est ça qui est le plus important. Ce qui me plaît, c'est que frère ivoirien, depuis que la Guinée équatoriale nous a gagné 4-0, la Côte d'Ivoire est devenue la risée de tout le monde. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que la pierre rejetée est devenue la pierre principale. Le match du mercredi est un match spirituel. Non, c'est un match spirituel de prière. Ça, je le dis ici. Voilà. Ça, je le dis ici. Ça, je le dis. Mettez les cœurs, partagez le direct. Le match, nous là, vous savez, les Congolais vous disent une chose. Nous, on ne viendra jamais vous dire qu'on va vous battre. C'est vous qui nous dites que vous allez nous gagner. L'orgueil précède toujours la chute. Nous, on est humbles. Nous, on vous dit, vous allez gagner. Vous êtes plus fort que nous, Maman Nangaï. Aide nos pays, j'ai le Congo. Quand le Congo parle, est-ce que la Côte d'Ivoire peut parler? En matière de superficie, vous êtes plus que nous. En matière de richesse, vous êtes plus que nous. Le Congo, c'est une catastrophe. C'est vous-même qui avez inventé. C'est grâce à vous qu'on a les téléphones. Ou bien, c'est pas grâce à vous. C'est grâce aux Congolais qu'on a le téléphone. Voilà. La matière pour créer le téléphone, ça vient de chez vous. Vous êtes trop fort. Mais, méfiez-vous de Lazare. Lazare qui est mort et le quatrième jour qui fut ressuscité. Méfiez-vous de Jésus-Christ qui est mort et le troisième jour il est ressuscité. La Bible déclare que lorsque Jésus fut ressuscité, la Bible déclare que tous seuls l'ont vu et ensuite il a été élevé vers le ciel. La Côte d'Ivoire a été ressuscitée. On est en train de voir l'élévation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés en huitième de finale. De huitième de finale, nous sommes passés exactement quart de finale. De quart de finale, nous sommes en demi-finale. Et tous ceux qui avaient parié contre nous, aujourd'hui sont en train de dire, attention. Mais les Congolais sont plus forts. Oui, les Congolais, on ne vaut rien. Mais on est qualifiés, les gars. On ne vaut rien, mais on est qualifiés. J'aimerais dire à mes frères ivoiriens, tous ceux qui vont mépriser les Congolais, vous allez le regretter. Et je vous ai toujours dit la vérité. Voilà. Ne méprisez pas les Congolais. Ne soyons pas dans l'attitude de l'arrogance. Non. Les Congolais sont forts. Ils ont l'un des plus grands clubs en Afrique. Le TP Mazembe. Ils sont très forts.
sort, nous, on ne vaut rien. Mais la seule chose que nous connaissons, c'est l'humilité. Eux, ils disent, eux, ils ont la justice de Dieu. Nous, on a l'humilité. On verra entre la justice de Dieu et l'humilité. Dieu va soutenir qui? Mercredi. Et ça, c'est un ordre que je donne. Parce que jusqu'à actuellement, c'est moi qui ai demandé l'humilité. Tous les citoyens ont adopté. Je donne l'ordre à tous les citoyens. Le mercredi, de 6h à 16h, nous confions notre sort à l'Éternel dans un jeûne et prière. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman. À 13h, les musulmans qui ont dit Allah, Wakba, recommandez la Côte d'Ivoire. Les chrétiens, à 10h pile, en plein midi, nous levons le doigt vers le ciel et nous disons, nous levons les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous, on ne connaît, nous, on ne vaut rien. La seule personne que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Non, nous, on est humbles. Nous, on ne vaut rien. C'est les Congolais qui ont fait sortir la sapologie. C'est-à-dire, la sapologie, c'est les Congolais. N'appelez ça, Il y a solo. N'appelez ça. La sapologie. Nous, on est humbles. Nous, on ne sait pas s'habiller. On ne sait pas chanter. On ne sait pas danser. Maman, c'est les Congolais qui ont amené le dombolo. Nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est comme ça. Donc, c'est vous, maman. Les femmes congolaises sont les plus belles. Les artistes congolais, ils ont fallu. Pourquoi nous, on a qui? On avait dit qu'Arafat, il n'est plus là. Hein? Ils ont Roga, qui est le voisin, qui vient souvent les soutenir. Ils ont confié Olomide, maman. Ils ont Werason. Y a qui encore là-bas? Citez-moi le nom des artistes congolais. Y a qui encore? Ils ont Dena Mwena. Ils ont Pasteur Moïse Mbillé. Nous, on a qui? On a le petit Kais Bloom de temps en temps qui vient chanter. Un Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Nous, on ne connaît pas. Oh. Nous, on ne connaît pas jouer ballon, maman. Vous êtes les meilleurs. Mais nous disons simplement, l'humilité précède la gloire. Ce qui me plaît, c'est que les Congolais sont trop sûrs de leur affaire. Ça, c'est bien. Oui. Ça, c'est bien. Les Congolais sont sûrs que la Côte d'Ivoire est éliminée. Ils ont fait rigoler, non acquis. Ils ont fait référer à remplir stade, fallait remplir stade de 100 000 personnes, non acquis, non la personne. Les Congolais sont sûrs de leur affaire. J'ai même vu des prophètes congolais qui ont déjà prophétisé qu'ils vont gagner. Vous, les pasteurs qui prophétisez dans cette histoire de Coupe d'Afrique, faites attention. Hein. Faites attention. On ne pleure pas après. On ne pleure pas. Faites très attention. Le nom du Seigneur, vous le mettez dans une passion. Faites attention. Nous, on va jeûner, prier pour dire à Dieu, papa, on n'a personne. Si tu peux nous aider un peu, aide-nous. Parce que nous sommes humbles. Ils ont Dadjou. Nous, on a qui? Ils ont Maître James. Nous, on a qui? Hé, maman, Zambé, souviens-toi de nous, oh, Seigneur. Quand on parle en matière de chansons, quand les Congolais, je vous dis, je le répète, la langue qui sera parlée, c'est le lingala. Quand les Congolais adorent Dieu, quand le Congolais chante, tu as l'impression que lorsqu'on créait la musique, Dieu a appelé les Congolais en tant que des conseillers. Les gars maîtrisent le domaine. Ils maîtrisent. Quand le Congolais est en train de louer Dieu, tu as l'impression que c'est la langue lingala qui sera parlée au ciel. Regardez le nom. RDC. Le royaume des cieux. Non, Congolais, moi-même, je suis assis comme ça, j'ai peur. Je suis inquiet comme ça. J'ai peur. Parce que les Congolais, ils vont faire fort. Nous, on a qui ici? Coup de mâteau, ben, ben, ben. Descends, coup de mâteau, ben, ben. Chanson de Mongoli. C'est-à-dire, nous, la seule chose qu'on sait faire, le buzz, c'est là où on parle de buzz. Là, on parle de Mougou. On s'est levé, on a créé chanson de Mongoli qui est en train de coloniser tout le monde entier. Descends, coup de mâteau. Ben, ben, ben. C'est ça la seule chose qu'on s'est fait. Les Congolais se sont préparés. Ils sont arrivés. Nous, là, on ne vaut rien.
Nos défenseurs commettent des fautes, on sort, on joue à 10. Mais nous avons un appui. Le père des veuves et le père des orphelins. Il s'appelle Zambé. Hey, papa, souviens-toi de ces Congolais qui nous méprisent, qui nous ridiculisent sur les réseaux et qui même font nos enterrements, papa. Souviens-toi de ces Congolais. Papa, souviens-toi de ces Congolais. Père, nous te recommandons ces Congolais. Souviens-toi de ces Congolais qui sont en train de nous mépriser et qui nous insultent. Qui disent qu'ils vont faire notre enterrement, Seigneur. Ils ont comploté contre nous. Ils nous souhaitent le malheur. Mais tu es le Dieu qui dit, je changerai le malheur. Ils ont souhaité mon malheur. Mais l'Éternel a changé en bien. Papa, voici nous notre verset biblique. Oh, oh. Hey, chacun aura son verset biblique. Mercredi là, chacun aura son verset biblique. Chacun aura son verset biblique. Chacun aura son verset biblique. Je ne vois pas les cœurs. Je regarde ici, je ne vois même pas les partages. Où sont les partages? Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Le verset biblique de la Côte d'Ivoire, c'est Genèse chapitre 50, le verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple de Côte d'Ivoire, voici notre verset biblique. Genèse chapitre 50, le verset 20. C'est moi, Camille Makosso, le général qui donne des ordres. Je veux voir tous les Ivoiriens commenter. L'Éternel est notre appui. Je veux voir tous les Ivoiriens écrire. L'Éternel est notre appui. Maintenant, permettez-moi en tant que le père des réseaux sociaux quand même adresse à tout le monde. Vous savez, le football est un jeu. Le football est un jeu et il ne faudrait pas qu'on commette l'erreur. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont animées d'un esprit sauvage, démoniaco, satanico, sorcier, qui vont essayer de couper des vidéos ici pour toujours créer des clashs. Oh, Makosso a insulté les Congolais. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour donner de l'ambiance au match qui aura lieu, qui sera un match de fraternité. Parce que nous savons que la rivalité qui existe entre les Congolais et les Ivoiriens, c'est juste une rivalité musicale. Mais tout le monde sait que le pays où les Congolais sont les mieux reçus et les mieux aimés, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. En Afrique, là, s'il y a un pays qui reçoit les artistes congolais comme des stars mondiales, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Là, on ne fait pas de débat avec quelqu'un. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans l'excès, c'est très important, dans les injures, dans le mépris, parce que c'est un match de football et ça ne dure que maximum 90 minutes, au maximum 120 minutes. Ce ne sont pas les 120 minutes qui vont prendre le soin de déterminer les relations entre deux peuples. Ces deux grands peuples qui s'aiment et qui ont une passion extraordinaire entre eux. Il ne faudrait pas que nous commettons l'erreur. On peut s'attacher, on peut se taquiner et autres, mais nous ne tombons pas dans l'excès. Voilà. Les Congolais sont un peuple qui croit fortement en l'Éternel des armées. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui sort aussi d'une guerre, qui croit fortement en l'Éternel des armées. Maintenant, Dieu va donner la victoire à celui qui veut, celui qui sera bon sur le terrain et celui qui va gagner. Mais une chose est claire, une chose est nette, une chose est présente, c'est que nous, la Côte d'Ivoire, nous, on ne vaut rien. Les Congolais sont plus forts que nous. Moi, je l'admets, je le reconnais. Mais, justice dédiée va changer de camp. Mais nous recommandons notre sort à l'Éternel. Je répète le verset. Hein. Je répète le verset. Je répète le verset. Genèse chapitre 50, le verset 20. Les Congolais ont célébré notre deuil. Les Congolais ont annoncé notre mort. Ils ont dit que nous allons être enterrés au stade de Mbimpe. S'il n'était que moi, je n'allais pas jouer le match au stade de Mbimpe. Je préfère que le match soit joué au stade de Foyer Souffle Boigny. Parce que le stade de Mbimpe ne me plaît pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas de chance sur ce stade-là. C'est-à-dire qu'il faut emmener des hommes de Dieu pour aller prier sur ce stade. Sincèrement, il faut emmener des hommes de Dieu pour prier sur ce stade. J'ai l'impression que ce stade, sur cette terre, il y a eu des actions qui ont été faites qui ne sont pas en faveur de la Côte d'Ivoire. Je le dis honnêtement.
À chaque fois que nous avons un match important sur ce stade, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Si ça ne tenait qu'à moi seul, ce stade-là, je ne jouais pas dessus. Mais il faut des actions prophétiques. Il faut qu'on prie sur ce stade. C'est pour cela que je demande aux Ivoiriens, le mercredi, nous sommes en jeûne et prière. Moi, je ne veux pas beaucoup de personnes. J'ai besoin exactement de 2000 personnes qui vont jeûner avec moi. Si vous êtes d'accord pour cela, je vais mettre un lien sur la vidéo là pour que vous passiez vous abonner là-bas. Ça, c'est mon lien Telegram. Et on va jeûner. Voilà. Actuellement, nous sommes combien dans le groupe Telegram? Permettez-moi de contrôler rapidement. Nous sommes combien actuellement dans le groupe Telegram? Nous sommes combien dans le groupe Telegram? Nous sommes combien dans le groupe Telegram? Nous sommes 12 000. Voilà. 12 700. Donc, je vais mettre le lien maintenant. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je vais mettre le lien maintenant. Modifier. Lien. Copier le lien, non? Copier le lien. Bon, donnez-moi une minute. Je vais mettre le lien rapidement sur la vidéo. Voilà. Voilà. Excusez-moi, une seule minute. Je vais mettre le lien. Je sais que beaucoup de Congolais viendront en espion. Je mets lien Telegram du général Makosso. Je mets deux points et je mets le lien. Oh là là, c'est quoi ça? J'ai pas copié le lien. Je retourne rapidement. Partager, copier le lien. Je retourne et je mets le lien. Voilà. Une minute, le lien est mis. Donc, tous ceux qui veulent entrer dans le lien, vous allez directement. Voilà, vous allez. Non, nous, on a programmé un jeûne national. Voilà, nous, actuellement, on est en jeûne national. Le mercredi, c'est un jeûne national. Le taureau doit être mangé. Le mercredi, nous allons manger le saka-saka avec le kwanga. Nous allons manger tous les Ivoiriens. Mercredi, vous préparez sauce feuille. La sauce de manioc. C'est l'une des sauces préférées des Congolais. Ils appellent ça le saka-saka. Et le kwanga, je crois que ça doit être. Le manioc. Voilà, vous préparez ça. Le maquet, le mercredi, c'est ce que nous allons manger. Maintenant, vous les Congolais qui vivent en France, vous les Congolais qui êtes aux États-Unis, qui êtes en Belgique, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Vous dites que vous êtes des Congolais. Mais payez le billet d'avion, venez en Côte d'Ivoire. On a vu les Camerounais ici. Les Camerounais sont venus en Côte d'Ivoire jusqu'à trouver, ils ne sont pas encore partis. Mais où sont les Congolais? Payez le billet d'avion, descendez à Abidjan. Si vous dites que vous êtes des hommes, si vous dites que les Congolaises, vous êtes des femmes, si vous dites que vous aimez votre pays, payez le billet d'avion, descendez à Abidjan. C'est moi-même le général Makosso, je vous reçois. Maintenant, si vous n'avez pas, voilà, les hôtels sont pris autres, ben je vous reçois à mon domicile privé, hein, écoutez, voilà. Si tous les hôtels sont pris, je vous reçois, voilà. La piscine même est encore là, voilà, la piscine est là, voilà. Je vous reçois dans ma demeure, dans mon humble demeure. Voilà, où vous serez traités comme des princes et des princesses. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, mais sinon, il y a des hôtels. Voilà, je vous donne les hôtels les plus huppés actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, le plus grand hôtel, c'est l'hôtel intercontinental Sofitel Hôtel Ivoire. Voilà, vous avez l'hôtel Noum. Vous avez en Côte d'Ivoire le Radisson. Vous avez en Côte d'Ivoire le Pullman. Voilà, maintenant, il y a un hôtel qui n'est pas trop loin. Voilà, du stade de Bimpe, c'est l'hôtel Bellecote. Voilà, vous pouvez taper hôtel Bellecote. Vous avez tous ces hôtels. Et puis, il y a des résidences meublées. Vous tapez sur Facebook, résidences sont meublées facilement. Vous allez prendre le soin de trouver de bonnes résidences ou vous pouvez prendre le soin de venir avec des villas parce que vous savez, les Camerounais, beaucoup sont rentrés, les Maliens sont rentrés. Donc, actuellement, la Côte d'Ivoire est un peu détendue. Actuellement, il n'y a pas trop d'odeur de Pétou. Voilà, parce qu'Abidjan sentait trop odeur de Pétou. Voilà. Et il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Toutes les prostituées de l'Afrique se sont données rendez-vous en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu as plein de femmes qui sont arrivées de l'Algérie, du Maroc. Vous avez des métisses qui sont arrivées. Toutes les tiktokeuses sont en Côte d'Ivoire. Pour venir danser le coup de matola, bordellerie a pris notamment le pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Même il y a des Gabonaises qui ne sont même pas qualifiées. Elles sont en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'elles sont venues chercher. La bordellerie vous donne quoi, maman? La bordellerie vous donne quoi? Vous gagnez quoi dans la bordellerie? On vous demande de donner votre vie au Seigneur. Vous êtes encore dans la bordellerie, dans la prostitution. Et tout soit rempli à Abidjan. Non. Ça, je n'ai pas du tout aimé. Partagez-le, je n'ai pas du tout aimé ça. Tu rentres dans des hôtels, tu vois les jeunes filles, avec des yeux. Elles sont là, elles se tournent. Mais il y a quoi? Même mes soeurs camerounaises, on a éliminé leur équipe, mais elles sont encore là. Il y a quoi? Rentrez!
La 20 ans de piment rapporte quoi? Si c'est pas la maladie ou le sida. Et on dit ça en même temps. Je n'ai pas aimé ça. Tous les bordels sont en Côte d'Ivoire. Les bâclés sont en Côte d'Ivoire. Les vendeuses de piments sont en Côte d'Ivoire. Les prostituées sont en Côte d'Ivoire. Arrêtez la prostitution. Jésus revient bientôt. C'est quoi ces histoires-là? Tu passes dans tout Abidjan, dans tous les hôtels, tu sens odeur de con, odeur de pétou. Odeur de pétou. Et puis les odeurs d'anus, tous les PD sont actuellement en Côte d'Ivoire. Les Yubi. Au Abidjan sent une odeur anustrale. Arrêtez ça, hein. Jésus revient. Ne venez pas, vous ne venez pas distribuer la maladie ici. N'importe quoi. Les prostituées, les poclets d'Abidjan se sont éveillés comme si elles ne tombent pas jusqu'à 5h du matin. En train de faire du pocréa. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Aujourd'hui, mais je ne vais pas faire des directs. Parce que j'ai un état de fatigue générale. Je dois me reposer même pendant 2 jours selon l'ordre du médecin. Voilà, ma coach est venue faire direct. Ça, mon médecin va voir s'il va se fâcher. Il va voir s'il va comme ça s'énerver. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je le répète et je le dis. Je le répète, j'ai dit. Voici le lien. Tous ceux qui sont connectés, voici le lien. J'ai mis le lien Telegram sur l'annonce. Quand vous sortez, vous partez sur l'annonce, vous cliquez directement le lien. Ça vous envoie directement. Voilà. Nous sommes actuellement 12 700 dans le lien Telegram. Tous ceux qui vont assister à cette vidéo, allez directement sur l'annonce, sur le titre de la vidéo. Vous avez le lien Telegram. Vous cliquez, vous entrez directement. À partir du moment où vous êtes dans le lien, ça vous est dit automatiquement, vous allez participer aux jeunes que nous allons avoir pour la Côte d'Ivoire. Deuxième élément, tous ceux qui vont rentrer dans ce lien vont recevoir un cadeau du général. Troisième élément, vous allez être suivi personnellement par le général parce que cette année 2024, je sais une chose, c'est que l'Éternel fera de toi la tête et jamais la queue. J'aimerais féliciter le peuple congolais, voilà, féliciter vraiment le peuple congolais pour cette joie de vivre qu'ils sont en train de donner à la Coupe d'Afrique. Permettez-moi, vous savez, les Congolais, je vais vous dire quelle est l'une de vos grandes faiblesses. Vous mettez trop les organes. C'est-à-dire, soit pour une rencontre de football, vous êtes tout le temps nerveux. Donc, évitons que ce soit les Congolais et les Ivoiriens, évitons les injures pendant les 3 jours qui vont venir. C'est important et c'est primordial ce que je dis. Vous savez, j'ai été une fois au niveau de Château d'Eau. Je suis allé distribuer des flyers. Et pendant que je partais distribuer des flyers, j'ai assisté à une bagarre entre des Ivoiriens et des Congolais. Et ça m'a brisé le cœur. J'ai assisté à une bagarre entre des Ivoiriens et des Congolais qui étaient des coiffeurs. Et ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, comment se fait-il que deux peuples frères africains qui sont venus se chercher en Europe peuvent se diviser pour une question de football? Et vous savez, tout part des réseaux sociaux aujourd'hui. La plupart des grandes divisions, la plupart des grands problèmes. Souvent, certaines personnes ont l'habitude de dire, « Oh, Makoso, mes ennemis. » Mes ennemis ont l'habitude de dire, « Oh, Makoso, c'est toi qui divise les peuples. » Non. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui savent qui est le général Kamil Makoso, moi, je suis un Africain. Je ne suis pas un Ivoirien. Je suis un Panafricain. Mais je ne suis pas un Panafricain stupide, un Panafricain raciste qui déteste l'Occident. Non. Je ne peux pas être un Panafricain raciste parce que tous les êtres humains ont été créés par Dieu. J'ai vu des Africains se battre à Château d'Eau. Vous savez qu'il y a un autre problème sur les réseaux sociaux, ça, Château d'Eau, ça peut se régler. Et si Château d'Eau explose, Château Rouge va exploser au niveau de la France. Les gars vont s'affronter. Pourquoi? Un ballon. D'où les vainqueurs n'auront même pas 5 francs. C'est-à-dire nous là, qui sommes les supporters, on n'aura rien. Donc il faudrait que ça reste un esprit de jeu, un esprit de football. Il ne faudrait pas que les clashs qui ont eu lieu entre les Ivoiriens et les Camerounais se déportent et se transforment avec les Congolais. Non. Nous sommes deux peuples frères. C'est pour cela que dans le langage, il faut avoir de la modération. Il ne faudrait pas que les Congolais, en parlant le lingala, soient dans les injures, que les Ivoiriens vont traduire, parce que je connais aussi les influenceurs ivoiriens. Ils sont capables de le traduire et de dire, voici comment nous on se bat, on reçoit les artistes congolais, voilà comment ils nous traitent et autres. Les Congolais vont dire, bon, mais non, on s'en fout, c'est parce qu'on sait chanter qu'on vient chez vous. Est-ce que vous savez chanter? Ça va devenir autre chose. Je vous demande pardon. Nous avons tous un dénominateur commun entre le Congo et la Côte d'Ivoire. C'est Jésus. Vous avez aujourd'hui les hommes de Dieu les plus puissants au niveau de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont en train de monter aussi au niveau de l'Afrique. J'aimerais que dans cet esprit dans lequel nous sommes engagés, comme l'a fait le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur, Ivan Castanou, le autre, que ce soit des petits jeux, vous voyez, on va surveiller la lagune, vous allez surveiller le feu, et ça passe. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse mettre la haine dans ce match-là. Il ne faudrait pas déjà qu'on puisse accuser. Vous savez, le match contre le Mali,
Il y a un fait qui s'est passé qui m'a brisé le cœur. C'est-à-dire quand le match est fini, beaucoup de Maliens ont commencé à dire, oh, on a payé la bite, ils ont payé la bite, ils ont payé la bite. Et ce sont les influenceurs maliens eux-mêmes qui sont venus dire, arrêtez ce que vous dites. Nous étions 11, ils étaient 10. Aucun habit ne peut prendre le jeu. On vous a même laissé 14 minutes. Il y avait une minute d'arrêt de jeu. On vous a laissé encore 4. Nous a dit, à partir du moment où les Maliens entamaient le jeu, l'habit devait siffler la fin. Il a laissé encore 3 minutes. Le pénalty dont il parle, il n'y a que les ignorants en matière de football qui peuvent dire qu'il y a pénalty. Parce qu'il y a ce qu'on appelle retour d'un hors-jeu. Quand un joueur était hors-jeu, qu'il revient d'un hors-jeu. Quand il touche le ballon, on annule l'acte. Ça s'appelle aller à l'école pour apprendre ce qu'on appelle le football. Ce sont les évidences. Donc, il faudrait que nous fassions très, très, très attention. Ce n'est qu'un match de football. Coupe d'Afrique, le Cameroun, le Congo l'a remporté 2 fois. La Côte d'Ivoire l'a remporté 2 fois. Ça n'a pas changé l'évolution politique, spirituelle et économique de notre pays. Ce n'est que la fierté et après la fierté, basta. Donc faisons très attention, restons fair play. Les Congolais, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais visité la Côte d'Ivoire. Je vous en prie de venir. Je vous en prie. Pourquoi j'insiste? Même les Congolais de Brazzaville, venez. Quand vous allez arriver à Abidjan, cela va créer en vous une certaine motivation à parler à vos gouvernements. Abidjan a connu un développement incroyable. Nous sommes actuellement au niveau du métro. Nous sommes en train de finir le métro. Le métro, le métro, le métro. Vous comprenez? Le métro. Voilà, le métro. Nous sommes en train de finir le métro. Quand vous regardez toutes les richesses que dispose le Congo ne doit pas être à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a la guerre. C'est vrai qu'il y a les difficultés. Mais le Congo ne peut pas être à ce niveau. Ce qui veut dire qu'il a existé des dirigeants congolais très méchants qui ont refusé de développer leur pays. Le Congo est une catastrophe naturelle avec plusieurs provinces qui méritent des développements extraordinaires. Les richesses seulement du Congo, le Congo doit être le seul pays où lorsque nous voulons aller à l'aventure, on ne va plus en Europe, on va au Congo. Venez voir Abidjan. Nous, on n'a que le cacao. Nous ne sommes que des planteurs, des agriculteurs. Venez voir ce que nous avons fait de notre pays. Les Congolais qui sont venus, eux-mêmes reconnaissent que la Côte d'Ivoire est un miracle de Dieu. Malgré que nous avons connu 10 ans de guerre. Ce n'est pas pour mépriser votre pays. Ça vous permettra de dire, si la Côte d'Ivoire est à ce niveau, nous pouvons faire 20 fois ou 40 fois mieux que la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait. Parce qu'il y a des gens qui ne sortent jamais de leur pays. Ces personnes-là sont dangereuses. Parce que ces personnes sont dans un orgueil où ils se tapent la poitrine. Je suis fier, mais sors. Souvent, quand tu sors de ton pays, tu constates que ton pays est un village. Moi, j'ai été dans des pays. Je ne minimise pas des pays. Mais j'ai été au Niger. Malgré qu'ils ont l'uranium. Lorsque tu es dans l'avion, que tu es en train d'atterrir à Niamey, tes larmes coulent. Parce que tu vois ce qu'on appelle la misère. Malgré qu'ils ont l'uranium. C'est méchant. C'est méchant. J'ai été dans certains pays, que je ne vais pas dire le nom. Mais quand tu arrives, ils sont fiers, ils sont orgueilleux. Mais quand tu es dans le pays, tu te dis, mais est-ce que ces gens-là sont conscients que malgré toutes les richesses, ils sont derniers. Coupés d'électricité à toutes les minutes. Souvent, tu dors dans le délestage. Il n'y a pas d'électricité. Il faut sortir pour voir. Il faut aller à l'aventure pour voir comment les autres pays fonctionnent. Et quand tu reviens, tu apportes ton expérience. Moi, j'aime le Congo. Je n'ai jamais visité la RDC. Parce que Fally Poupa ne m'a jamais invité en RDC. Son maudit Fally, je te le répète encore aujourd'hui. Prenez cette vidéo, Fally, ton mot diable, le placable, amicalement parlant, ton corso. Fally m'a jamais dit, mon général, viens découvrir la RDC. Fally est méchant, hein? Fally est méchant. Fally est méchant. Fally, tu es méchant, tu es méchant. Moi, je risque ma vie pour Fally. On dit Fally à concert. Ma cause aussi aime pas les problèmes. On dit Fally à concert. Les commandants disent Fally n'aura pas son concert. C'est Makoso qui vient s'asseoir. Vous les commandants, vous êtes des sorciers. Le conseil aura lieu, on va s'affronter. Le commandant dit Makoso, on a déjà ton image. Partout on va te rencontrer. Tu vas nous expliquer ça face à face. C'est Makoso. Une femme se lève. Oh, Fally m'a enceintée. C'est encore Makoso qui vient s'asseoir et qui démonte la marmaille inoubliable.
Non, Makoso, tu es un chef. Les Congolais ne peuvent jamais m'en vouloir. Parce qu'ils savent que l'homme Makoso, c'est un homme de vérité. Une petite fille s'élève, elle accuse le pasteur Moïse Mbi, et c'est Makoso qui prend le dossier, qui décortique le dossier jusqu'à les Congolais. Mais non, Makoso, tu as raison. Moïse Mbi ne m'a jamais invité au Congo. Moïse Mbi, tu es méchant. Tu es méchant. Ouais, mais ne m'invite pas. Hein. Le jour où notre artiste va m'inviter, Makoso va répondre à son invitation. Oh, Makoso nous a trahis. Le jeune autre artiste va m'inviter, Makoso. Vraiment, je vois toute l'influence que tu as. Je t'invite au Congo. Un artiste n'est qu'à venir, un fan n'est qu'à venir dire, Makoso, tu nous as trahis. C'est le clitoris de ta maman. Il a tiré ça comme fait lance-pierre. Fali. Avant la fin de cette année, tu m'envoies au Congo pour un séjour de 7 jours afin que je me repose. Là, ce n'est plus une suggestion, c'est un ordre que je donne en tant qu'un père. C'est de ça qu'il s'agit. Oh bien, Congolais, j'ai raison, mais je n'ai pas raison. Je ne peux pas me lever comme ça pour aller au Congo. Tout le monde reconnaît que Kami Makoso est le père spirituel de tous les warriors. Jusqu'à Fali Poupa prend le micro au Zénith, il chante mon nom. Salut à toi, Makoso. Eh, Fali, 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 Fali. Maman Nangaï, n'a fait ça, oh yeah. Naye, nane yo, zika nungumbu, nane yo, nika glou glou glou, nane. Ah non, le gars là, Dieu l'a béni. Que Dieu bénisse. Non, j'ai raison. Je suis un père. Je suis un père. Fali m'a toujours respecté, il m'a toujours honoré. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, allô mon général, je suis là. Est-ce que je peux voir les enfants? J'ai dit, je viens avec les enfants. On se voit, je salue. Mais Fali, je dois voir le Congo. Tout le monde dit que mes ancêtres viennent du Congo. Permettez-moi de visiter le Congo. Maintenant, si Fali n'est pas prêt, je vais demander au président. Félix, président, invitez-moi au Congo. Je vais découvrir le Congo. Voilà. Je vais voir le Congo. Il paraît même qu'il y a un autre premier ministre qui est au Congo. Brazzaville, il s'appelle Makoso. Il y a des gens qui ne savent pas payer le droit des noms. C'est premier ministre. On t'appelle Makoso. Le père spirituel de tous les Makoso au monde. Tu sais, c'est quand même Makoso. Tu ne m'invites pas dans ton pays. Ah, mon général, j'ai appris que vous avez le même patronyme que moi, Makoso. J'aimerais vous inviter spécialement pour découvrir le Congo. On prend le ministère du tourisme, on prend Kami Makoso, on va me faire visiter les grands sites du Congo. Je parle, j'ai au moins 5 millions d'abonnés. Quand je prends tous mes réseaux, 7 millions d'abonnés, quand je prends tous mes réseaux confondus, je viens avec ma fille Kimi, elle visite aussi, elle porte son voix. Hein. Mais les gens ne s'amusent pas à faire la politique. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'arrive au Cameroun, c'est le pouvoir camerounais qui prend Makoso en charge. Il y a des États qui ont beaucoup de ressources, mais qui ont un mauvais système de touristes qui n'invitent pas. C'est pas grave. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. C'est pas grave. Que Dieu vous pardonne. Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Voilà, maintenant les Guinéens m'ont invité. Maintenant, là, où il y a mon bonheur, c'est là-bas que je parle. Quelqu'un qui me dit non, Makoso, tu étais avec nous, non. Voilà mes frères burkinabés, c'est mes frères burkinabés. Affaire de politique, des burkinabés ont commencé à me parler mal. J'ai dit, je ne vais plus chez vous. Bébé! Je vous apporte rien, je ne m'apporte rien. Je ne vais plus chez vous. Tant que cet état d'esprit-là est encore là, je ne vais plus. Je reste chez moi. Parce que mon pays en matière de développement fait 40 fois ton pays. Donc je reste chez moi. Ce n'est pas un manque de respect. Tu me manques, même le Gabon. J'avais juré ne plus jamais mettre mes pieds au Gabon. Je ne suis rien. Mais il n'y a pas un influenceur gabonais qui est plus connu que moi. Il n'y a pas un influenceur burkinabé qui est plus connu que moi. Il n'y a pas un influenceur congolais qui est plus connu que moi. Il n'y a pas un influenceur camerounais qui est plus connu que moi. Il n'y a pas un influenceur béninois ni togolais qui est plus connu que moi. Je suis le numéro un. Donc respectez-moi. Je ne suis pas le camarade de quartier de quelqu'un. Donc quand je fais dans un pays, c'est un honneur pour ce pays de me recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un débat. Je suis le numéro 1 en matière de parler sur les réseaux sociaux. Je peux prendre dossier politique, je frappe. Dossier Congo, ça, je frappe. Dossier religieux, je frappe. Tu assis, tu regardes, tu dis l'homme là, quand il parle, tu as l'impression que quand Dieu l'a créé, il a mis quelque chose dans sa bouche. La preuve, vous êtes encore connecté. Au lieu de descendre, vous êtes encore là. Tu as dit, je parle, mais je m'amuse. Mais vous êtes encore là. Tu as dit quoi? Tu as des origines congolaises. C'est ton grand-père qui a des origines congolaises. Moi, j'ai des origines ivoiriennes. Tu as venu me mettre au Congo par rapport à quoi? Depuis que vous êtes en train de parler, si vous voyez, il y avait des origines congolaises,
Mais il y a là le Congo, il y a foot comme Côte d'Ivoire. Un pays avec des habitants souvent qui sont très nerveux. Plein d'entre eux sont des bipolaires, en train de m'énerver tous les jours, en train de m'insulter. Est-ce qu'il y a un pays qui me maltraite plus que la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un pays qui me maltraite plus que mon propre pays? Tous les risques même que j'ai pris pour le régime Alassane Ouattara, qu'est-ce que j'en ai obtenu? Quelle reconnaissance qu'on m'a donnée dans ce pays? Quel respect qu'on m'a donné dans ce pays? Rien! On organise notre Coupe d'Afrique. Je suis motivé pour mon pays. Mais ceux qui l'organisent m'ont méprisé, m'ont humilié. C'est à la dernière minute qu'on t'appelle, non, général. Bon, on va essayer de créer un rendez-vous entre toi et puis le ministre Ami Chahidi. J'ai plus besoin de ce rendez-vous. Je n'ai plus besoin parce qu'il ne faudrait pas qu'on me voie comme un mendiant. Je suis dans l'immobilier. Par mois, je fais souvent 30 à 40 millions de francs CFA. Il y a de foot quoi devant un ministre qui a me manqué de respect. Moi, je suis arrivé ici, tu me manques de respect. J'insulte ta maman. Et puis, je m'en fous. Où ça doit aller, c'est décalé. Je n'ai pas 20 ans, j'ai 45 ans. Je suis un père, bientôt je serai grand-père. Tu t'amuses, j'insulte ta mère. Sans peur. Qu'on m'amène où on veut. C'est quoi? C'est pas la prison? Prison là. J'ai déjà fait ça deux fois. La prison peut jamais être un moyen de pression contre moi. Il n'y a pas un influenceur en Côte d'Ivoire qui a donné sa poitrine pour le régime Alassane Ouattara que Camille Makosso. Je mets ici quiconque au défi. Je mets ici quiconque au défi. Quiconque au défi. Il n'y en a pas. Soro Guillaume, c'est moi qui ai mis fin à son règne sur les réseaux sociaux. Chris Yapi, c'est moi qui ai mis fin à son règne. C'est Camille Makosso. Lorsqu'on accusait le premier ministre Ahmed Bakayoko d'être trafiquant de drogue, c'est Camille Makosso qui a maté la rébellion. Lorsqu'on voulait saboter ses funérailles, c'est Camille Makosso qui a maté la rébellion. Lorsque les gens voulaient faire le boycott actif, la rébellion, un tentative de coup d'état, de déstabilisation lors des dernières élections, c'est Camille Makosso qui était sur les réseaux sociaux. Je suis fier parce que je l'ai fait pour mon pays. Mais qu'est-ce qu'on m'a donné? Rien. Je n'ai rien demandé. Mais le respect est important. Le respect est important. Dans ce pays-là, vous allez beau dire, Camille Makosso, je suis le seul qui détient la base de données de 10 000 pasteurs. Une élection présidentielle, je peux la faire basculer si je motive les évangéliques. Je sais parler et les jeunes de Côte d'Ivoire m'écoutent. Et je détiens d'une intuition disposée. Je dispose d'une intelligence trop avancée dans l'art de la stratégie de mobilisation et de la marmaille. Mais le lion actuellement, il dort. Il attend 2025. C'est en 2025 que nous en parlons. Non, papa, maintenant. C'est en 2025 que nous en parlons. Le mépris, le manque de respect, on va rappeler ça à certaines personnes droit dans les yeux. Eux ne vont pas croire. C'est bon, nous ne regardons pas croire que nous, on peut parler comme ça. Parce que dans mon propre pays, là, il y a des ministres et moi, on ne peut pas parler. Sur le plan de popularité, je passe dans les rues, ils passent dans les rues, on les met à l'écart. Et puis on dit, Makosso, tu es là. Parce qu'on reconnaît que Makosso est l'un des hommes les plus généreux dans son propre pays. Après Ahmed Bakayoko, l'homme qui fait plus de dons, c'est Camille Makosso. Ton frère et soeur, respectons-nous vivants. Mais j'aimerais dire ça, bon, c'est une manière de parler. J'aimerais dire à tous les Congolais qui ne vont pas venir en Côte d'Ivoire que ce n'est pas sûr que vous allez au paradis. Voilà. Ce match-là, Côte d'Ivoire-Cameroun, plutôt Côte d'Ivoire-Congo, le match du siècle, le match le plus important. Est-ce qu'avant le match, il ne peut pas avoir un petit concert? On fait rentrer un coup de marteau, Fally ne peut pas venir donner un son. Même actuellement, comme il s'appelle, l'artiste là, le frère de Dadju, même Dadju est là actuellement. Dadju a refusé de repartir. Quelqu'un dit, on ne te voit pas dans les stades. Non, je vais vous dire pourquoi je ne vais pas dans les stades. Je ne vais pas dans les stades pour deux raisons. La première raison, excusez-moi, hein, ça peut arriver. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire a confié la gestion de l'organisation de la CAN, moi j'étais en France, et il y a en Côte d'Ivoire des petits influenceurs à deux balles, qui n'ont pas de poids, qui sont allés convaincre le comité d'organisation qu'il fallait exclure les influenceurs comme Makosso et autres. Mais moi, je n'ai pas le statut d'influenceur dans mon pays. Il faudrait que les gens comprennent bien. J'ai le statut du porte-parole national des pasteurs de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que lorsque le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, l'église de Côte d'Ivoire évangélique était beaucoup accusée. J'ai procédé à la réouverture des églises, à l'identification des pasteurs et à la sécurisation des pasteurs au niveau de la Côte d'Ivoire, en prenant le soin de créer la carte d'identité pastorale. Et aujourd'hui, 10 150 pasteurs se sont fait identifier. Donc, devant l'État de Côte d'Ivoire, il y a ce statut. Donc, je bénéficie de certains avantages. Chaque décembre, je reçois mon courrier, je reçois mon offrande venant de l'État de Côte d'Ivoire et mes dons qui viennent de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est chaque fin d'année, je reçois ça.
Voilà, on m'amène un petit colis et autres, je reçois ça. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, je ne peux pas avoir ce statut. Mais il y a ce qu'on appelle quand même le devoir de reconnaissance et de respect. Parce que dans ce pays, on connaît quels sont les influenceurs qui nous poient. Certains influenceurs sont allés voir certaines personnes qu'ils connaissent. Non, pardonnez, moi je veux qu'on me donne. Mais moi, je parle au stade pour deux raisons. Un, si je n'ai pas mon badge qui me permet d'entrer avec ma voiture, je ne peux pas garer ma voiture, marcher pendant 3 ou 4 km, c'est d'avoir un manque de respect. Deuxième élément, lorsque les matchs commencent, je fais un direct avant, à la mi-temps et après. Et ça me rapporte 5 millions de francs CFA. Chaque direct que je fais pendant les matchs me rapporte 5 millions dans le domaine de la publicité. Donc, qu'est-ce que je vais me foutre au stade avec des odeurs de sueur, des enfoirés qui, après le match, vont me bloquer pendant 2 heures parce que tout le moment, 4 000, 5 personnes voudront faire des photos. Qu'est-ce que j'allais foutre là-bas? Et tous les salopards qui vont crier, tout le monde soulève les mains, toutes les bordels, les poclés vont venir te voir. Hey, mon général, vraiment, tu es frais. Hein? Quand tu vas en vrai, là, tu es frais. Hey, mon général, est-ce qu'il peut avoir ton numéro? La tentation. Je suis un veuf. Actuellement, ma pile ne se lève plus. Une petite va venir te toucher bizarrement. Ton bangalan va s'élever. On va dire, Makoso, à mon goût, une petite fille. Vous voyez? Donc, c'est pour éviter toutes ces tentations que je reste devant mon bureau. J'ai fait mes choses tranquillement. Je mange mon argent au cadre. 50 millions par direct. Quand je finis, je n'ai pas vu. Oh, j'ai pas dit de telle publicité. Oh, il y a telle voiture. Il y a telle. Je mange tranquille. Ah! Je mange au cadre. Tranquille. Mais ceux qui ne m'ont pas invité, ceux qui ne m'ont pas donné mes badges et autres, leur pouvoir prend fin juste après la CAN. Et quand le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, va constater que Camille Makoso n'est plus engagé pour lui, il va demander pourquoi Makoso n'est pas engagé. Et je vais m'asseoir pour répondre la liste de ceux qui m'ont trahi, qui sont dans son pouvoir. La liste de ceux que j'ai amené des SMS pour leur donner ma frustration. Chacun viendra s'expliquer. Comment vous êtes arrangé pour que le plus grand fusil de chasse que nous avons, nous le perdons? Ils viendront s'expliquer. Parce que c'est le mépris qui crée les frustrations. Et les frustrations créent les démissions. Et les démissions créent des remboursements, c'est-à-dire les recrutements ailleurs. Ça, il faut le dire. Est-ce que les autres partis politiques ne nous ont pas contactés? Ils nous ont contactés. Quelle est la réponse que je leur ai donnée? Je suis un homme fidèle. Quand je crois un homme, je crois en lui. Mais les hommes qui sont autour du président Alassane Ouattara sont méchants. Je le répète encore. Les hommes qui sont autour du président Alassane Ouattara sont méchants. Ils sont prêts à tout donner à des prostituées, à des maîtresses, que de donner aux personnes qui sont prêtes à mourir pour le président Alassane Ouattara. Et c'est méchant. C'est les mêmes erreurs que le président Laurent Gbagbo et son entourage ont eu à voir. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité. Si le président Alassane Ouattara dit « Je ne suis pas candidat en 2025 », il n'y a aucun candidat au RHDP qui peut battre M. Tidiane Thiam. Aucun. Il n'y a aucun. La seule option, c'est le président Alassane Ouattara. Parce que lui, c'est un économiste fin. Il a bâti ce pays. Il a posé des actions qu'aucun Ivoirien ne peut discuter. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire, bon, écoutez, dans le but de ne pas voir mon parti perdre le pouvoir et que tous les acquis que j'ai eu à mettre en place soient détruits, je me représente aux élections présidentielles pour le deuxième mandat de la Troisième République. Mais en même temps, il doit parler avec M. Tidiane Thiam et puis renégocier un deal pour lui dire, tu es un petit, tu as de l'avenir devant toi. Je souhaiterais que le PDCI-RDA et le RHDP puissent retisser l'alliance qu'ils avaient. Le PDCI ne va pas le refuser. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la CAN, mais je suis inspiré, je vais le dire. Il décide alors de mettre en place une négociation. Il renégocie et il tombe d'accord. Je finis mon dernier mandat. Et pour le prochain mandat, en 2030, nous donnons un candidat PDCI qui sera Tidiane Thiam. Si le président Alassane Ouattara réussit ce pari politique, cela permet à sa famille politique de rester au pouvoir encore pendant 30 ans. Clair. Si le président Alassane Ouattara réussit dans sa stratégie politique à conquérir l'électorat du président Laurent Gbagbo, qui sont les évangéliques, il a déjà les musulmans avec lui. C'est un fait, c'est un acquis.
si le président Alassane Ouattara, dans sa stratégie politique, réussit à conquérir les évangéliques, c'est fini. Parce que les êtres les plus fidèles... Or, pour conquérir les évangéliques, il faut connaître quelle est la mentalité des évangéliques. Pour l'instant, ils n'ont pas les évangéliques. Des gens peuvent aller leur faire croire que non, je maîtrise les pasteurs. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Personne ne maîtrise les pasteurs. La preuve, lorsqu'un pasteur est arrêté ou un pasteur disparaît, on accuse directement le président Ouattara. Qui le fait sur les évangéliques? Ça voudrait dire que le travail que nous avons présenté, toute la stratégie que nous avons présentée à ce parti qui est au pouvoir, pour leur dire voici comment conquérir les évangéliques, mais ils ont prié, ils ont mis ça dans un tiroir. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Souvent, tu es assis, on te dit non, il y a de l'argent qu'on donne pour les pasteurs. Moi, je suis assis, je ne vois pas cet argent. Donc, le jour où on viendra me dire, Marcos, ton nom est ici, il paraît qu'on t'a offert une voiture, il paraît qu'on t'a donné 10 millions, je ne me reconnais pas dedans. Il ne faut pas que les gens soient assis au pouvoir, ils pensent qu'on gère Marcos, on ne me gère pas. Je suis assis, je vis par mes moyens. Il ne faut pas que quelqu'un va associer mon nom ou prendre mon nom, aller déposer mon nom quelque part pour faire quoi qu'on prend l'argent pour donner à Marcos. Je suis assis ici. Je vis par ma foi avec mes enfants orphelins. Je n'attends rien de personne. Mais je veux voir mon pays avancer. Et pour que mon pays avance, l'homme qui est à la tête de ce pays dispose de toutes les ressources pour faire quoi avancer ce pays. Mais son seul problème, c'est que c'est un Didier Drogba dans une équipe de bras cassés. Il y a trop d'hommes faibles. Il y a trop de ministres qui ne peuvent pas représenter la Côte d'Ivoire. Il faut que je le dise. Qui ne peuvent pas. Qui sont nuls. Ils sont assortis du président, ils nous font croire que tout va bien. Or, quand tu vas dans la base, rien ne va. Comment le chef de l'État peut s'asseoir et dire à ses ministres, soyez un peu généreux vis-à-vis du peuple. Ça voudrait dire qu'ils sont méchants. Et c'est très dangereux. Donc, il y a plein de personnes comme ceci, des influenceurs, autres ont été déçus, des gens qui sont engagés, qui ont été blessés, déçus, même par les attitudes. Tu vas aujourd'hui dans les loges, quand tu vas dans les stades, moi, il y a des gars qui sont réunis, Marcoso, viens ici, tu vas voir. La plupart des gens qui sont dans les loges VIP là, c'est que des petites filles. C'est-à-dire qu'on prend des petites filles, des petites filles, des petites filles, des petites porclés là. C'est à elles on doit les passer VIP pour aller s'installer. Les djangou. Et les vrais militants, les vrais guerriers, on les jette avec les petits billets de 2000, 5000, 10000, on les met dans la foule. C'est dangereux. Le président Alassane Ouattara a trop donné de sa vie, de son sang, pour que ce pays-là puisse atteindre ce niveau-là. Il ne faudrait pas que ceux qui sont autour de lui l'affaiblissent par leur méchanceté, par leur sorcellerie. Mais tout ça, on attend le moment idéal pour venir. Le jour où le président Alassane Ouattara va dire, je veux rencontrer les pasteurs à l'hôtel Ivoire. Je déplacerai 5000 pasteurs, les leaders évangéliques, je les mettrai face à lui. C'est ce jour-là que le président Alassane Ouattara va savoir qui sont vraiment les évangéliques. Que les évangéliques ne sont pas les ennemis de ce pays. Il y a des pasteurs depuis 1960 qui n'ont jamais rencontré le président de façon officielle. Le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Ça fait bientôt maintenant 13 ans. Il n'a jamais eu de rencontre avec les pasteurs évangéliques. Vous trouvez ça normal? Est-ce que quand vous-même vous asseyez, vous trouvez ça normal? Vous vous asseyez consciemment, est-ce que vous trouvez ça normal? Quand les catholiques invitent le président Alassane Ouattara, il est là. Les musulmans invitent le président Alassane Ouattara, il est là. Mais quand les évangéliques veulent rencontrer le président, il y a toujours des petites excuses. Non, vous n'êtes pas bien organisé, mais Marcos est de votre camp. Marcos a identifié 10 000 pasteurs. Pourquoi vous ne lui demandez pas de faire des pasteurs? Pourquoi on n'a pas le droit de lui demander? C'est grave. 13 ans de pouvoir. Vous avez une communauté qui fait exactement 7 millions de fidèles. Vous ne les rencontrez pas. Mais finalement, vous n'êtes pas des hommes politiques. Finalement, nous vous aimons. Bagbo revient, il dit, je ne suis plus évangélique. Je retourne à l'église catholique. Donc, voici une communauté vierge qu'on peut conquérir. Mais on ne veut pas aller vers eux. Et nous disons que nous sommes des démocrates. Nous disons que nous sommes laïcs. Nous disons que nous voulons conquérir le peuple. Voici 7 millions de fidèles. Vous n'allez pas les rencontrer. Vous êtes bloqués dans votre coin. Et vous pensez que non, peut-être qu'on en a tel qui les maîtrise. Donc, ils sont maîtrisés. Personne ne nous maîtrise. Hein. Nous sommes des chiens de garde que personne ne peut dompter. À moins que tu viennes vers nous. Babo nous a conquis, parce que Babo s'est déplacé pour venir nous parler. Et nous avons parlé avec le président Laurent Gbagbo. Il nous a dit quel est son projet. Aujourd'hui où je vous parle, une rencontre est en train d'être organisée avec le président Tidiane Tiam. Personne n'est informé. Avec les évangéliques. Plusieurs pasteurs vont lui donner des révélations. On va attendre la dernière minute pour maintenant commencer à fatiguer les gens. Non, bon, écoutez, mais si c'est dangereux. Et quand tu le dis, on veut te mettre en prison. Quand tu le dis, on doit fermer les portes. Fermez-moi les portes. D'abord, je ne veux même pas les portes qui sont ouvertes. Je ne veux aucune porte ouverte.
J'ai ma société immobilière. Jamais je n'ai même fait une demande d'un petit marché dans ce pays. Faites attention. Le pouvoir est fragile. Et quand on vient le loin, on ménage sa monture. Je touche du bois. Aujourd'hui, perd son âme, le président Henri Colombe est parti. Vous savez, nos papas ont atteint un âge où à n'importe quel moment, Dieu peut les rappeler à lui. Quel sera demain? Comment demain on va prendre le chemin de fer? On a des hommes qui n'ont aucune vision futuriste, qui n'ont qu'une vision de coq, manger là où ils sont, voler de l'argent, payer des immeubles, payer des maisons. Mais quand un autre régime viendra, qui va vous demander de faire l'audit de tes biens personnels que tu ne pourras pas expliquer, tu te retrouveras en prison? Il faut faire très attention. Moi, demain, je rencontre les pasteurs de Yopougon, tous les pasteurs qui sont au niveau de Yopougon. Demain, on a une rencontre. Donc, tous les pasteurs de Yopougon qui vont voir cette vidéo, j'aimerais en même temps vous le dire. Ceux qui ne seront pas là demain, c'est à votre risque et péril. Prenons le cas même du pèlerinage en Israël. On dit chaque année, le président Ouattara donne 2 milliards pour que les pasteurs partent en Israël. Combien de personnes le savent? Beaucoup ne le savent pas. Parce que la plupart des pasteurs même qui bénéficient de cette place ne veulent même pas dire que c'est le président Ouattara qui a donné l'argent. Parce qu'ils ne le soutiennent pas. Et le directeur général des cultes qu'ils nous ont imposé, qui est un professeur d'art plastique, ça fait 3 ans qu'il ne reçoit même plus les pasteurs pour organiser notre pèlerinage. C'est-à-dire qu'il s'élève, il nous impose ce qu'il veut. Les pasteurs sont blessés, frustrés, mais ils se taisent parce qu'ils disent qu'on attend 2025. C'est pas beau en temps quand tu es au milieu d'eux et puis ils se plaignent, ça fait mal. Un directeur des cultes, quand les pasteurs, on le voit, il les humilie. On demande des audiences, il nous fait recevoir par ses secrétaires, par ses assistants. Lui-même, il est un patron, mais il n'est même pas administrateur de l'État. Il est professeur d'art plastique. Il atteint l'âge de la retraite, mais on nous l'impose. Chaque année, on prend nos places pour le pèlerinage en Israël et on les donne à des petits porclés. On les donne à des mairies. Nos places qu'on doit prendre pour aller prier pour le pays, on les dispatche comme si nous sommes des enfants. Sur 1000 places, les pasteurs n'ont droit qu'à 200 places. Les 800 autres places sont gérées par la direction des cultes dans une opacité incroyable. Le pèlerinage en Israël avec le billet d'avion fait 1 500 000 francs CFA. Avec 200 000 francs d'argent de poche, l'État donne 2 millions pour chaque pèlerin. Où partent les 500 autres 1000 francs? Les 500 autres 1000 francs où passent? Et quand on dit au pasteur, retrouvons-nous. Ah non, Makoso, toi, quand on vient avec toi, c'est que ça veut dire qu'on avait Alassane Ouattara. Non. Moi, je crois au président Alassane Ouattara. Je crois en sa politique. Et j'ai eu raison. Il a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Mais en ce qui concerne ma famille religieuse, l'église, je ne peux jamais trahir l'église pour la politique. Je n'ai jamais dit à un pasteur, viens, allez, va voter tant. Parce que nous avons un candidat qui ne nous a jamais trahi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je dis là, écoutez-moi bien. Un matin, on dit à Makoso, tu avais raison. C'est un cœur qui pleure, qui vous parle. Ça fait 13 ans, nous sommes à la tête de l'église évangélique. On a mené tous les combats. Quel rassemblement n'a pas fait dans ce pays? J'ai été le seul pasteur à rassembler 2500 pasteurs au palais de la culture. Ahmed Bakayoko était le premier ministre. On est allé chez le docteur Yahid Diong. La 80% de la salle s'était remplie par les pasteurs de Makoso. Aujourd'hui, je suis assis et je regarde pour dire tout ce travail a servi à quoi? Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, le soleil va bientôt s'élever. Reste concentré, continue le travail. Tout ce travail m'a coûté exactement près de 200 millions. Parce qu'une réunion simplement des pasteurs, c'est minimum, c'est 1 million. Minimum, parce qu'il faut payer. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et aussi mettre votre avis dans les commentaires, les gars. Vous savez, nous sommes en train de suivre les matchs de la CAN. Et nous sommes déjà au niveau de la demi-finale. Et ça commence. Dans 2 jours, les gars, je vais dire dans quelques heures même. Donc, les gars, votre équipe favorite, l'équipe qui va remporter, vous avez tout dans les commentaires, les gars. Merci infiniment à tous ceux qui ont pu regarder la vidéo jusqu'ici. Et on se capte après les matchs de la CAN, après les demi-finales, là, on aura des résultats cette semaine, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, activer la cloche de notification. Que quand je mets une vidéo, vous allez recevoir ça directement, les gars.